Hello, bonjour, bonsoir à tout abonné. Yo, ça qu'a fait, moi, retourner pour une autre vidéo. Comme nous déjà, ouais, depuis ça, moi, parler dans vidéo, avant même que moi, entre dans vidéo, m'a pris un petit temps pour me dire un grand merci avec tout ancien et nouveau abonné, ou même qui toujours partager, commenter, like, m'a besoin un grand merci, et ou même qui passer sous télé, magazine, qui peut abonner. M'a invité, s'il vous plaît, abonner et pas oublier, activer la cloche là, à chaque fois que moi, passer un nouveau vidéo pour capable recevoir notification moi yo attends n'importe dans vidéo sans perdre du temps. Télé magazine. Mais aussi surtout les citoyens haïtiens et haïtiennes qui ont souffert de kidnapping, qui ont souffert d'assassinat. D'après les vidéos où elles sont au kidnapping qui est mal passé. Et puis pour retirer les médecins dans la machine, frapper, tuer. Niveau de révolte, ça. Révolte, là, c'est contre la barbarie qui fait l'assassinat. Mais nous ne pensons pas à notre partie parce que nous sommes médecins même j'avais. Et en plus, le médecin qui l'a aujourd'hui assez élevé parce que j'ai enseigné pendant 14 ans dans la faculté de médecine. Et moi, tristesse sous eux. Comme en politique, nous déterminer plus que jamais pour nous gourmer, pour que nous changer Jean pays ça vivre là. Haïti, c'est moment plus triste que j'aime vivre dans les derniers 50-60 ans où j'ai ablahi mon terre. Et donc c'est vraiment pour moi nos devoirs d'abord que nous vivons là à terre. C'est d'abord, deuxièmement, c'est un acte de solidarité. Et troisièmement, c'est un acte de détermination pour que nous continuions gourmer, pour nous changer. Conditions pays. C'est vrai, nous dans un contexte qui paraît aussi très difficile, mais dernier jour, ça, là, nous partons des mouvements de troisième voie, sur ça qui est pour avec ce politique, diverses manifestations faites, marches faites, nous parlons de présence de troisième voie. Capable de parler avec nous. Vous avez les pattes là, vous ne pouvez pas sous béton en dimanche, vous ne pouvez pas TV dans la manifestation. Ça appelle nous qui nous contribuer dans la réussite de la manifestation. Et depuis dans 40 mai, juste dans la viaduc. La vie a dû remonter dans 40 mai. Docteur Boulos était là et toute image montrée. Peut-être que la voie la militons de l'autre côté de ça. Mais nous soumettons et nous-mêmes nous prônons pour que bon accord politique qui fait une négociation pour être capable de faire journal des guerres palais. Mandat fini depuis 7 février 2021. L'île pour le bail palais. Mais nous ne pouvons pas forcer le faire. Nous pas dans violence. Nous pas jamais prôner violence. C'est par la négociation que nous pensons pour faire journal des palais pour mettre en gouvernement. Pour remettre la sécurité à sous pied, vous mettez des bandits, déloger les gangs, mettre en place le processus électoral là, un collège électoral indépendant, une massive distribution de cadres pour être capable de faire une élection crédible, inclusive, dans le meilleur temps possible techniquement. Président Jovenel Moïse continue à faire appel avec dialogue. Est-ce que le mouvement troisième pour apparaître pour faire un chita parler ensemble avec ça? Pas qu'à faire dialogue avec le président, qu'à faire négociation avec le président. Dialogue, c'est pas qu'à vous faire avec nous, qui a même l'idée avant. Négociation, c'est monde qui en face pour besoin de loger, pas de problème. N'importe qui le voulait, son table publique devant peuple haïtien, parti politique a besoin de négocier dans quelles conditions la quitter par les nationaux. Entre temps, nous, c'est seulement le secteur privé à tout côté, rien sur le président Jovenel Moïse. Qui mot devant ça? Bon, moi interpellé, moi demandé et ramasser caractère pour être capable de faire le mot, même comprendre. Parce qu'il faut qu'on ait que c'est sous yo, c'est sous Mangomu. Et yo voye wa. Donc pour y avoir une force sous Mangomu, son équipe a théorisé avec faux bord de douane, faux bord de DGI. Donc il n'y a pas peur. Mais moi-même, m'a dit, le mot de Monseigneur Libondé, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. En nous tout commun, à côté peuple-là, avec peuple-là et pour peuple-là. Merci beaucoup. C'est consolation et pour que par rapport avec les familles et docteurs qui ont ici entraînement et cliniques dans la famille là, comme nous chacun et qui les familles qui ont été c'est justement comme qui ont pas connaissé à partir de son enfant lui-même, de façon culturelle. Avec le chef de l'État,
exprimer ça qu'il est et nous avons gardé dans le pays parce qu'en fait l'homme médecin était en Haïti, c'est pas parce que médecin, tout médecin qui était son choix qui aurait été. De servir le peuple, de servir la population. Les médecins ont décidé. Parce qu'en fait, nous avons faculté de médecine, nous apprenons pour baisser devant la moindre douleur, devant la moindre souffrance. C'est ça, nous apprenons dans la faculté de médecine. Et là où un médecin, pendant la servir la population, pendant qu'il a mis en pratique ça, et c'est quand ça a tombé, et au vu aussi de tous, et donc nous avons nos gens, ça a laissé l'autorité indifférente, après de... qui côté ça privé. Donc ça a vraiment intervenu nous tous, et c'est vraiment un bagage qui. En attendant, nous toujours en concertation parce que ce mariage qui passe dimanche. Donc nous en concertation et nous demandons tout le monde de retourner au Dodio parce que il y a de planification à faire. Un jour à venir, on a bien information. Merci. Même si c'est médecin, c'est pour le soir. Tout le monde lave mon dessus. La vie de mon bail qui est supposé que le droit à lui-même. Donc son bail qui est anormal pour un médecin quand il est devant le cabinet de consultation, devant la clinique, pour des individus non identifiés par elle, tenter d'enlever et ne pas aller pour tuer. Moi, c'est que je ne veux dire assez, Jean Carwell, tout comme médical de l'égalité, nous là, dans un signe de collaboration, un signe de solidarité. Alors, nous mettons fleurs et déposer des fleurs en signe de commémoration de la mort et de l'auteur parti qui mourir. Et donc, je pense que nos pays, côté de l'état de droit, je pense que justice doit faire, non seulement pour les médecins qui sont victimes de ça, mais pour tout l'autre monde que nous parlons, que nous attendons, que nous faisons, pour faire appui dans la société haïtienne. Devant ça, qui gens nous-mêmes nous sentons, est-ce que nous sentons en sécurité? Bon, nous ne sommes pas moral, nous sommes indignés, mais nous-mêmes qui là, par exemple, nous continuons à nous faire la vie, si vie nous ne pas, mais qui l'autre monde qui n'a pas de défense, qui n'a pas anonyme, qui n'a pas de défense, nous-mêmes nous ne sommes pas moral là. Et donc, matin, nous sommes obligés de faire des consultations dans tout le pays, dans tout le pays. Nous venons là, nous venons dire non, c'est assez. Nous pensons que et ça doit être un signal clair par le gouvernement, nous avons dit GPI. Hein. Nous dit que le bah, n'est pas bon, il faut bon hal. Il faut bon temps qui fait pour dire que le bah, n'est pas bon dans le pays. Hein. Maintenant, c'est que nous avons pile monde nous avons pris, nous avons pile monde tuer. Et donc, je dis, c'est capable de tuer à courir, mais demain, c'est capable nous-mêmes, c'est capable nous-mêmes. Et donc, faut nous tous faisons commun pour dire non à la violence, non à la sécurité. Toutefois, nous songeons, ce n'est pas la première fois qu'on a fait arrêt de travail pour une question de kidnapping. Nous songeons la dernière fois que ça s'est passé. Ce n'est pas la première fois qu'on a fait arrêt de travail. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire ça pour nous faire une revendication du passé? Non? Bon, nous-mêmes, en tant que médecins, nous n'avons pas d'âme, nous n'avons pas la loi à la parole, nous n'avons pas de pouvoir de décision. C'est sur un compte bail. Donc, c'est sous ça pour juger, même si c'est vrai, non, si on dit qu'on peut faire, on peut dire qu'il faut bailler sur une circonstance. Mais je ne veux dire, si il y a un médecin, il y a un docteur, c'est pas en grave. Donc, arrêtez de c'est vrai, nous sommes aujourd'hui, mais nous ne pas camper pour tout le temps. Mais quand il y a là, mais faut que l'on campe, et les autorités prennent ça en conséquence. Qui voit que le bail n'est pas bon, mais c'est quand le travail, ça de l'aider au conscience, au moral et tout. Capable de me servir si on est malade, qu'est-ce qu'il va avoir besoin? Et donc, je pense que aujourd'hui, tout le monde doit être concerné. Nous sommes les médecins seulement de camper dans l'hôpital, mais toute instance dans le pays a de camper pour dire non, ça. Ça ne peut pas marcher, il faut que ça soit le cas qui fait. Il faut que nous prenions une décision. Devant arrêter le travail, ça, qui réponse n'a pas de conseil? Pour le bagage, c'est justice pour le docteur. Et pour les gens qui prennent et qui tuent le docteur pour les gens, maintenant pour le docteur, j'ai une justice. Ensuite, pour l'autre, nous ne pouvons pas arriver à l'autre. Donc, j'ai une justice, mais qui n'a pas de finir. Non seulement c'est dans le secteur médical, mais dans l'autre, dans l'autre société. Il y a des ingénieurs, des avocats, des petits machins, nous comptons les problèmes de ce victime. Donc, il faut que les gens aient la liberté pour marcher, pour la vie. Tout. Pas bon, qui n'a pas de bon. Nouvelle yo te fait connait que yo allé ensemble avec yo petit docteur Padi, est-ce que nous même nous veut confirmer ça? Là avec yes. Donc nouvelle yo te fait connait que yo prend après yo fin tuer docteur et bien yo t'est allé avec yon monde qui t'a accompagné docteur mais yo t'a fait connait c'est yon petit pli qui yo allé ensemble avec. Est-ce que nous même nous arrivé informé de ça? Si oui, est-ce que nous parler ensemble avec ravisseur tout ça? Donc moi même c'est médecin gynécologue moi alors moi pas pédiatre.
Alors il y a la société haïtienne de pédiatrie qui est chargée pour faire négociation avec Abissé. Et donc pour qu'on ait les affaires de bagages, ça a des informations pour ça veut dire qu'ils sont allés ensemble avec petit oui, on ne sait pas si oui, s'y aller ou pas. Même pour qu'on ait des informations qui ont été privées, parce qu'on est dans le DCPJ, qui des enquêtes qui sont faites, qui donc c'est pas toute l'information que nous doutons pour nous doter que nous avons véhiculé par la presse. Non, pas aussi, vous plaît. C'est le docteur François Berbou. Merci beaucoup. N'importe qui n'a pas fait l'affaire. Alors, ça fait quelque temps dans la société haïtienne, nous avons ensemble des cadres pareils. Nous avons des partis, c'est pour ça que nous avons des cadres de sécurité. Mais là, nous avons des cadres de sécurité, même comme médecin, comme citoyen, comme vivant. Comment on vit les phénomènes de ça? Moi, je pense que vous avez un phénomène que vous avez présenté, vous avez la même situation, à savoir que la peur, à savoir que l'anxiété, à savoir que moi pas de travail, moi pas fonctionner, et pourtant il y a une insécurité quelque part. Et moi c'est que situation ça, c'est une situation que qui passe. Quel est le magazine qui se pose changer parce que nous pas capable fonctionner, quel que soit individu, quel que soit secteur là, pas seulement secteur médical, mais que quel que soit niveau, il n'est pas supposé vivre dans condition pareille. Après je sais ça que nous faisons là, qui d'autres gestes, qui d'autres actions nous conduit en dernier. Et n'a pas de travail sur ça, et parce que en fait, n'a pas de travail avec d'autres associations que nous posons des actions pour faire comprendre que l'éducation ne va pas capable. Ça va décourager nous. Ça va décourager nous. Décourager nous, non. Nous, la CAI, non. C'est travail, n'a pas travail, c'est soin que nous avons. Et c'est parce que nous voulons continuer qui fait que nous voulons manifester émotionnellement, nous voulons manifester ça que nous ressentons par rapport à la situation. Donc, merci. Merci. Bâti d'un travail.